Lundi 21 août 2017, un plaisir pour moi de vous retrouver sur Gangan TV dans cette émission Café Débat. Café Débat que vous pouvez également regarder sur le site libreopinionguinée.com, notre partenaire. Effectivement, je reçois en ce lundi, dans ce premier numéro comme invité, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Une ambition politique qu'il nourrit ces derniers temps, un défi qu'il s'est lancé, celui effectivement de ressouder l'opposition plurielle, remettre ensemble ces acteurs de l'opposition qui, à un moment donné, ont vu leur chemin partagé. Est-ce que Dr Faya réussira cette grande médiation, si on peut dire ainsi? Quelles sont les raisons qui fondent sa démarche? Là-dessus, il reviendra tout à l'heure, mais aussi d'autres sujets, la crise et son dénouement à la CENI, quelle est sa réaction? Il reviendra largement sur cet autre sujet. Dr Faya Milimono, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de la disponibilité. Alors, le sujet principal, c'est cette démarche que vous avez entamée ces derniers temps. Vous voulez réconcilier les acteurs, vous, acteurs de l'opposition guinéenne. Alors, ma première question est de savoir d'abord si vous êtes dans cette démarche aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord que la prophétie du président Alpha Condé, à un moment donné, qui disait que l'opposition n'existerait plus en 2 ou 3 ans, est-ce que ce n'est pas une réalité qui vous amène aujourd'hui à entamer la démarche de vous réconcilier? Non, je ne crois pas, parce que de toutes les façons, ce qu'a dit le professeur Alpha Condé ne va pas se réaliser en Guinée. Est-ce qu'elle n'est pas réelle aujourd'hui? Cette opposition n'est-elle pas en déconfiture, en déchirure? Non, lui, il avait dit qu'il n'y aura plus d'opposition, mais l'opposition existe encore aujourd'hui. C'est une question de terminologie. L'opposition existe, mais est-ce qu'elle est forte, suffisamment forte pour faire face aux défis actuels? Je crois qu'il faut se poser la question à ce niveau-là. Nous avons d'un côté l'opposition républicaine, nous avons l'opposition plurielle, comme on peut l'appeler, de camp, l'opposition classique. Toutes ces terminologies-là, on peut les mettre de côté. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tous les acteurs sont d'accord que le constat est le même. Il y a une certaine division au sein de l'opposition guinéenne. Il faut essayer de ramener tout le monde ensemble, dans le respect mutuel, dans la confiance mutuelle et dans la transparence. Surtout dans le respect des textes que nous élaborons ensemble. C'est cette action que nous avons entreprise. Nous ne l'avons pas entreprise seule. Nous l'avons entreprise en association avec la CPR, et tous les acteurs que nous avons rencontrés se sont retrouvés, si vous voulez, dans la démarche, et nous sommes en train de l'amener ensemble. La dernière rencontre en date, ce fut avec le PDN, par exemple. Vous avez vu la déclaration qui a été faite. Le constat, il est le même. Et donc, le PDN, comme le Bloc libéral, nous sommes engagés à aller vers, n'est-ce pas, la recherche de cette union de l'opposition. Vous avez, c'est important de dire à quelle phase vous êtes dans cette démarche de réconcilier tous les acteurs de l'opposition, en tout cas de tous ceux qui sont opposés à Alpha Condé aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans sur la même ligne au sein de cette opposition plurielle. Vous avez parlé du PEDN, donc on sait quelle est la relation aujourd'hui entre le PEDN et l'UFDG, je ne dirais pas avec les autres partis, mais du PEDN et l'UFDG, la relation elle est complètement noircie par les événements récents qu'on a connus. Est-ce que vous pensez que ces deux-là peuvent se retrouver comme ça l'était avant, dès la sortie des élections de 2010, quand on a écouté, par exemple, le porte-parole de ce parti la dernière fois sur ce plateau? Est-ce que vous pouvez réussir ce défi-là? Écoutez, les déclarations politiques sont ce qu'elles sont. Moi, je prends personnellement acte de tout ça et je dis aux collègues, sérénité, sérénité, sérénité. Il est vrai, il y a eu des choses que nous avons vécues par le passé qui justifient les rancœurs des uns et des autres. Mais ces rancœurs-là, chacun en a été victime à un moment ou à un autre. D'abord, quels sont les partis que vous avez rencontrés à part le PEDN? Nous avons rencontré d'abord, en tout premier lieu, c'était le chef de file de l'opposition. Donc l'UFDG. Qui était entouré de son staff. C'était il y a des semaines de cela. Ensuite, nous avons été vers le FAD. Le FAD qui était au grand complet, il y avait les représentants du parti de Silaba autour de la table, les représentants de l'honorable Teliano sous la table, autour de la table, et il y avait même M. Silla lui-même et Mouktar Diallo, l'honorable Mouktar, et l'honorable Abakar Souma. Donc nous avons eu des échanges
qui ont été très fructueux. Et tous ensemble, nous avons pris, nous sommes arrivés à la même conclusion que cette situation dans laquelle se trouve l'opposition aujourd'hui ne peut pas nous permettre de relever les défis face auxquels nous sommes. Donc, les suggestions ont été faites. Nous avons été vers le PDM. Nous avons trouvé à peu près la même volonté d'aller à l'Union. Et aujourd'hui, juste après ici, je parlais avec M. Nestor Kagbadounou, qui est le secrétaire général de l'UGDD, qui doit me rencontrer dans une heure. Donc, on est en train de... Nous ne négligeons aucun acteur. Il y a souvent des appellations petit parti, grand parti, etc., etc. Il y a des partis politiques. Et c'est celui qui arrive à mobiliser l'électorat nécessaire pour arriver au pouvoir qui peut se définir grand par rapport aux autres. Bien. Mais pour l'instant, en ce qui nous concerne, tant que cela peut nous permettre de créer une atmosphère de convivialité à l'intérieur de l'opposition, nous nous débarrassons de toutes ces terminologies de petit ou de grand, ou de l'opposition républicaine, l'opposition classique ou autre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'opposition se remette au travail en se mettant ensemble. C'est quand même un grand défi politique que vous vous lancez, que le BL ou sinon votre alliance CPL que vous lancez, quand on sait la haine que certains nourrissent pour les autres aujourd'hui, est-ce que vous caressez ce rêve-là de revoir cette opposition, comme je l'ai dit, comme la dernière fois, être comme on vous a connu à l'époque de Sélou Dalin aux côtés de l'ancien Premier ministre l'ancien Kouyaté, Sidi Touré, vous-même, et tous les autres qui aujourd'hui sont à côté d'Alpha Condé, les Kassouri, les Abessila, encore qui, Babadiko, et tout ce monde-là. Est-ce que vous voulez avoir une telle image avant les élections, au plus tard de 2020? C'est ce que vous voulez, c'est ce rêve que vous caressez? C'est possible, parce que même ceux que vous citez, qui sont de la mouvance, aujourd'hui, au sein de la mouvance, si je vais vers certains, parce qu'on est des Guinéens, on se parle, si je me rends compte qu'il y a un acteur qui se trouve être aujourd'hui aux côtés du professeur Alpha Condé, mais qui ne serait pas d'accord, par exemple, que la constitution guinéenne soit tripatuée pour permettre un troisième mandat, mais pourquoi pas amener la personne, ne serait-ce que sur cette question-là, n'est-ce pas, à se donner les mains avec les autres pour empêcher. Pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Vous comprenez, l'opposition, c'est une position que nous adoptons à un moment donné. Cette position-là doit nous permettre d'arriver à des solutions face aux problèmes qui sont en face de nous. Aujourd'hui, il y a des acteurs, oui, qui sont du côté de la mouvance. J'étais à Washington, j'ai rencontré Abessila, mon ancien patron, par exemple. J'ai causé avec lui. Et dans la causerie, on se rend compte qu'il y a quelques traits d'union qui existent. Moi, je cherche ce qui nous unit, et pas ce qui nous divise. Mais est-ce que, une fois encore, la chose sera facile? Je veux concrétiser un peu. Je prends l'exemple de... j'ai pris tout à l'exemple de la relation entre le PEDN et l'UFDG. Quand je prends quelqu'un comme Moukhtar Diallo aujourd'hui, qui est au sein du FAD, on sait les dessous de leur prise de distance de l'UFDG. Aujourd'hui, ils sont dans le FAD. Quand Moussa Diallo a dit « je vais prendre possession de la commune de Ratoma », on a vu que les militants de l'UFDG et du parti donc de Moukhtar, de NFD, se sont boxés dans les rues de Conakry, de Koloma et de Bambeto. Alors, est-ce que vous pensez que ces deux-là sont prêts, du jour au lendemain, à se mettre ensemble? Quand je prends quelqu'un comme le député Souma Aboubakar, qui donc a décidé de quitter l'UFDG, et on sait quels sont les propos que les uns et les autres tiennent, à l'endroit de part des uns et des autres aujourd'hui, rien que ces exemples-là, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se remettre ensemble face au régime d'Alpha Condé? C'est possible? C'est possible, à une seule condition, que personne ne se dise « j'ai raison sur toute la ligne ». Bien. Vous comprenez? Il faut qu'on reconnaisse que nous avons évolué dans cette opposition ensemble depuis longtemps. Pour certains, il y a quelques années, et pour d'autres, nous avons commencé à évoluer dans cette opposition dans les années 90. J'ai été opposé au régime de Nansana Conté. Vous comprenez? À un moment donné, il faut que l'on s'arrête pour dire, si nous sommes arrivés à cela, même moi j'ai une part de responsabilité. Mais dès lors que les uns disent, nous avons raison et d'autres ont tort, ce n'est pas une posture qui permet un débat serein.
Vous comprenez? Moi, je pars de l'hypothèse que ce qui s'est passé dans l'opposition depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a des responsabilités à partager entre tous les acteurs, n'est-ce pas, qui ont évolué dans cette opposition. Ça, c'est la première chose qu'il faut réussir. De l'autre, chacun a été victime à sa façon également. Donc, il faut que nous partions de ce constat pour dire, un homme mûr, conscient des problèmes auxquels notre pays est confronté, la jeunesse qui est aujourd'hui sans repère et qui est en train de mourir tous les jours dans la Méditerranée, dans le désert. Nous avons des ordures, même ici à Matoto, quand vous regardez à côté du marché, vous n'avez pas envie de manger quelque chose qu'on vous met sur la table le soir. Alors, ces problèmes-là, ils sont réels. Et les Guinéens sont en train de mourir de ça. Est-ce que nous voulons que ça perdure? Je ne crois pas. Alors, prenant conscience de l'immensité donc de ces problèmes devant nous, je crois que chacun devait être en mesure de dépasser les rancœurs, les frustrations, pour dire, recherchons, n'est-ce pas, à notre sein, ce qui nous unit. Bien. Même donc, si ce qui nous unit est petit, commençons là-dessus. Donc si vous êtes aussi optimiste de voir Lansana Kouyaté se remettre dans la rue avec Serou Dalein Diallo, ou je dirais peut-être autour de la même table que Serou Dalein Diallo, comme avant, même si vous êtes optimiste de revoir un Aboubakar Souma se remettre autour de la même table que Serou Dalein Diallo, mais est-ce que en allant vers eux dans votre démarche de médiation actuelle, vous leur donnez quelle garantie de dire si vous avez quitté avant pour telle ou telle raison, eh bien, elles ne reviendront plus jamais. On a écouté des gens dire Selou prend l'opposition républicaine comme sa chose, d'autres dire ouais, les fameux 500 000, elle ne dit même pas comment il va les partager, comment il va les gérer, et d'autres qui disent on prenait des décisions à notre insu au sein de l'opposition républicaine, et sans nous dire. D'autres disaient quand on planifie une démarche contre le régime d'Alpha Condé, et le lendemain, Selou et d'autres violent cette démarche, voilà ce qui a fait que nous avons quitté, nous avons pris notre distance. Est-ce que vous leur avez donné une garantie de dire que tous ces dysfonctionnements qui ont fait qu'ils ont quitté ne seront plus répétés quand ils reviendront pour que vous résoudiez l'opposition plurielle? Il n'y a pas de garantie à donner. Ce qu'on dit aux gens, et ce sont des personnes responsables et très mûres. Et eux non plus ne demandent pas de garantie. Quand je prends par exemple le PEDN, vous leur avez dit de revenir, ils ne demandent pas de garantie. On n'a pas besoin de garantie. J'ai discuté avec mon homologue Lansana Kouyaté chose au téléphone pendant quelques minutes. Je crois que nous sommes arrivés à la même conclusion, que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne peut pas nous permettre de construire, n'est-ce pas, une alternance en 2020. Donc, pour moi, je compte d'abord sur ça, la bonne volonté de chacun d'aller à une amélioration de la situation. Et donc, chacun également est prêt à reconnaître qu'il porte une part de responsabilité de ce qui se passe. Maintenant, ce qui va arriver demain dépend des gestes que nous allons commencer à poser immédiatement. Je crois que ce n'est pas parce que hier on a été frustré qu'aujourd'hui on ait un beau texte devant nous que nous pouvons avoir la garantie que ce texte sera appliqué. Il faut veiller quotidiennement. C'est un travail de tous les jours. Et donc, dès qu'on va baisser, si vous voulez, la vigilance, on va retomber dans la même chose. Donc, nous ne sommes pas dans cette démarche pour promettre ou donner une garantie à quelqu'un, mais pour faire comprendre. De ne pas être déçu à nouveau, c'est ça non, le problème. Le fait d'être déçu ou de ne pas être déçu, ça dépendra de nous-mêmes. Vous, par exemple, quand je prends le BL, à un moment donné, vous étiez en froid avec vos amis de l'opposition républicaine. Tout est parti. Pour de bonnes raisons, d'ailleurs. Évidemment, donc tout est parti de ces accords du 12 octobre. Vous n'étiez pas d'accord avec un point. Et alors, vous avez décidé de prendre votre distance. Il y a eu des invectives, des attaques contre votre parti. Vous vous êtes dit déçu à l'époque. Alors, si vous, aujourd'hui, vous êtes optimiste qu'il faut que vous vous remettiez avec les autres pour le bien de l'opposition, mais pour le bien de la Guinée, est-ce que vous n'avez pas peur d'être déçu? Est-ce que vous ne vous donnez pas à vous une certaine garantie, une certaine assurance? Quelle assurance vous vous donnez de ne pas être déçu à nouveau? Peut-être ce que nous allons construire sera complètement différent de ce que nous avions avant. Qu'est-ce que vous voulez construire? C'est-à-dire que nous étions dans une opposition républicaine qui avait bien sûr une charte, mais qui ne fonctionnait pas à l'égard de... Sur la base de cette charte, etc., etc. Ce que je cherche aujourd'hui, à travers l'union qu'il faut obtenir, c'est au cas par cas. Nous avons assez d'enjeux devant nous. Il est clair que
quand on prend un sujet en particulier, est-ce que le PDN se sent confortable de voir les ordures un peu partout dans les villes de la Guinée? Non. Est-ce qu'on peut combattre pour que ça change? Oui. Alors on est d'accord quand même sur quelque chose. On peut se mettre autour de la table et nous préparer à lutter efficacement contre ça. Le PDN me dit, je ne suis pas d'accord qu'il y ait un troisième mandat. Bon, l'UFM me dit la même chose, et puis un autre parti me dit la même chose, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition. D'accord, je suis d'accord avec vous. Allons-y vers un objectif, à l'atteinte de cet objectif, empêchant qu'il y ait un troisième mandat. Bien, je crois qu'il faut que nous donnions toute la flexibilité à l'opposition que nous allons construire, parce que ça ne veut pas dire que les gens sont appelés à disparaître là-dedans. Bien. C'est-à-dire que le BL va demeurer BL, l'UFDG va demeurer l'UFDG, l'UFR, le PDN, etc., etc. Parce que, après tout, dans notre pays, ce qu'il faut que l'on comprenne, c'est que les alliances ne sont pas nécessairement basées sur les doctrines. Vous comprenez? Dans les pays qui ont une tradition de démocratie, vous verrez les libéraux ensemble, vous verrez les socialistes ensemble, vous verrez les communistes ensemble. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Vous pouvez trouver un libéral parfaitement en accord avec un communiste selon que soit il partage un même espace géographique ou alors il partage la langue. Donc c'est le cas de Sidi Assouri Alpha Condé. Kassouri Alpha Condé. Non, je ne donne pas d'exemple précis. C'est illustratif, Alpha Condé est communiste selon ce qu'on a entendu. Donc Sidi libéral. Donc ce que je veux dire, c'est que les alliances généralement ne sont pas nouées sur notre espace politique pour l'instant, sur la base des doctrines idéologique. Alors, à l'heure là, ce qui peut justifier que l'on se mette ensemble, est-ce qu'on est d'accord avec la façon dont le pays est géré? Non, on n'est pas d'accord. Que tu sois communiste ou que tu sois socialiste ou libéral, si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu es l'opposition. Que cette opposition s'appelle républicaine, plurielle et autre, pourvu qu'on soit l'opposition, mettons-nous ensemble. Voilà ce que nous sommes en train de chercher. C'est pourquoi on ne rentre pas dans la guerre de terminologie. Voilà. Ce défi de Dr Faya Milimono de remettre ensemble tous ceux qui sont de l'opposition plurielle afin d'harmoniser les stratégies et d'affronter le régime, le système Alpha Condé en vue des différentes échéances à venir, les locales qui sont proches, les législatives de 2018 et la présidentielle de 2020. Là-dessus, on va observer une petite pause. Derrière, on se retrouve dans la deuxième partie de Café Débat. Merci donc de nous retrouver dans la deuxième partie de Café Débat, toujours comme invité du jour, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Le sujet principal, c'est l'opposition divisée. Dr Faya tente donc une médiation générale, remettre ensemble tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui au sein de l'opposition. Vous connaissez aujourd'hui la position de Lansana Kouyaté, qui pratiquement n'est plus avec l'UFDG. Vous avez la position de bien d'autres partis politiques qui ont décidé de prendre leur distance de l'UFDG et qui sont dans l'alliance FAD et bien d'autres leaders qui sont dessus plus ou moins de cette opposition républicaine et Dr Faya qui veut les remettre ensemble. Alors, je veux revenir à votre cas personnel et particulier, le cas du BL. Je l'ai dit, à un moment donné, vous avez pris votre distance, c'était même une deuxième fois, la première fois on a vu que vous étiez distancié de l'opposition, après vous êtes revenu, une seconde fois encore là. Est-ce que si vous appelez les autres à revenir, à vous remettre ensemble, ça veut dire que vous, personnellement, vous avez déjà oublié tout ce qui vous a déçu dans le passé au sein de cette opposition, que ce soit autour des accords, que ce soit la manière dont on a dirigé l'opposition républicaine? Est-ce que vous décidez de mettre tout ça à la poubelle et de regarder l'avenir? Non, on ne remet pas à la poubelle. Ce qu'on veut faire, c'est un acte responsable qui doit être posé. Il faut d'abord que l'on fasse... qu'on dise à nos compatriotes que rien n'est une raison suffisante de baisser les mains. Bien. Ou rien n'est une raison suffisante de ne pas nous engager dans une démarche aujourd'hui qui devait amener ce peuple à se débarrasser de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est d'abord la première chose à dire. Nous sommes en mesure d'aller de l'avant. La tolérance, elle est de mise. En pareille circonstance, lorsque vous vivez ensemble, même la dent et la langue qui sont toujours ensemble, il arrive parfois qu'ils se chamaillent entre elles. Vous comprenez? Seules deux montagnes ne peuvent pas lutter parce qu'elles ne se rencontrent pas. Mais les hommes qui vivent ensemble sont appelés parfois à poser des actes qui vont frustrer d'autres. Il faut que ce qui montre la maturité, ce qui montre la grandeur d'esprit, c'est la capacité de dépasser cela pour donner la chance, n'est-ce pas, au futur, d'être meilleur au passé.
Et c'est la démarche dans laquelle nous sommes. Et je crois que dans cette démarche, nous n'allons pas escamoter non plus la vérité. Bien. C'est pour cette raison que nous avons commencé partout, nous sommes passés à dire chacun de nous est responsable. Donc vous allez appeler les gens, mais il y aura un moment de vérité entre vous, il y aura un moment de vous relancer. C'est clair que, il vous souviendra qu'en 2015, on avait suggéré qu'il y ait les états généraux de l'opposition en République de Guinée. On peut ne pas les appeler, on peut ne pas appeler les états généraux de l'opposition, mais on peut appeler ça une réflexion sur l'avenir de l'opposition. Il faut qu'on s'asseye quelque part et que l'on se regarde très franchement dans les yeux, qu'on se dise des choses dans la transparence, dans le respect mutuel, et qu'on se dise, nous sommes des Guinéens, des fils et des filles de ce pays, nous sommes capables de construire, n'est-ce pas, un avenir commun. Bien. Et cela en se portant, comment on appelle ça, en se respectant mutuellement et en se portant confiance. En attendant que vous ne terminiez cette démarche de réconciliation des acteurs de l'opposition, disons, quelle est la suite de vos consultations, puisque vous êtes dans une phase de consultation, j'imagine. Vous avez rencontré Sirou Dalem Diallo, vous avez parlé avec Lansana Apuyaté, vous avez rencontré les membres du FAD. PDM, quelle est la suite? On a été au siège du PDM. Du PDM, voilà. On a aujourd'hui une rencontre avec le JDD, il y a d'autres partis politiques qui sont en ligne et qui vont éventuellement être rencontrés dans les jours qui vont suivre. Et en même temps, nous sommes en train de mettre un dispositif. Je ne veux pas mettre à la place publique tout ce qui est en train de se construire. Bien. Mais parallèlement, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Deuxième sujet du jour, dénouement de la crise à la CENI. Vous le savez désormais, Maître Kébé devient le président de cette institution. Et Bakary Fofana, dans la foulée, on apprend, aurait donc démissionné au lieu de rester tout simplement un commissaire de la CENI. D'abord, votre réaction au dénouement de cette crise au sein de la CENI. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict final et la passation des services est passée la semaine dernière. Tout est bien qui finit bien. C'était une crise que les commissaires eux-mêmes ont essayé de gérer en se référant à la loi qui a créé la CENI et en se référant à leur règlement intérieur. Et ce qu'il faut dire, c'est que M. Bakary Fofana a traîné un peu les pas de partir parce que probablement il comptait sur un coup de main quelque part. On se rappelle qu'après l'avoir remplacé par Maître Kébé, il y a une première date qui avait été fixée pour la passation de service. Certains membres du gouvernement ont ignoré que cette date avait été fixée. Donc, quelque part, il y avait une ouverture pour M. Bakary Fofana d'expirer. Qu'il soit parti, c'est une bonne chose. Qu'il démissionne, ce n'est pas un problème. Mais nous, aujourd'hui, nous exigeons qu'un audit se fasse au niveau de la CENI pour que l'on s'assure que les fonds publics n'ont pas été dilapidés durant sa gestion. Non seulement ceci est important pour Bakary Fofana lui-même, parce qu'il faut qu'on combatte l'impunité, quelle que soit la personne en cause. Et c'est aussi important pour Kébé, qui prend les rênes, n'est-ce pas, de la CENI, et pour n'importe qui aura à diriger la CENI demain. Bien. Beaucoup de choses ont été dites sur la CENI, et je crois que la crise qui a même eu raison de Bakary Fofana, c'est qu'on lui a reproché une opacité dans la gestion, surtout financière. Alors, on a mis en place un comité de trésorerie, et ce comité-là, Bakary Fofana ne voulait pas en entendre parler, c'est ce qui a eu raison de lui. Alors, comment la gestion s'est faite depuis que Bakary Fofana est arrivé? Par le passé, on a vu les présidents partir sans jamais poser la question sur leur gestion. Mais si finalement chacun se rend compte que vous pouvez être à la tête de la CENI, vous vous jouez avec les fonds publics et puis demain personne ne va même se poser la question, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour nous. Aujourd'hui, il faut exiger que la gestion de Bakary soit auditée. Un audit soit fait pour établir clairement comment est-ce que les fonds publics ont été gérés durant les années de Bakary Fofana. Et cette nouvelle équipe qui va être gérée par Kébé, est-ce que vous pensez que justement c'est elle qui doit en fait organiser ces élections locales, ou il faut forcément revenir sur ce que l'opposition proposait à un moment, cette affaire de loi sur la CENI qui demande à ce qu'on remette en place une CENI plus technique, ainsi de suite? Est-ce que le temps nous le permettra? Où cette équipe, effectivement, c'est elle qui est censée et que vous devez appuyer pour qu'elle organise les élections locales à venir. Je crois que
Il y a eu une erreur qui avait été commise autour de la table concernant la CENI, parce que en 2015, c'était les accords d'août 2015, on avait scellé le sort de la CENI. On avait dit clairement que cette CENI, pour plusieurs raisons d'ailleurs, qui étaient objectives, les rapports déposés par les observateurs étrangers comme guinéens, n'est-ce pas, les critiques formulées par les différents acteurs politiques, sociaux, etc., etc., on est arrivé tous à la conclusion qu'il faut changer cette CENI, et du point de vue de sa forme, et du point de vue du fond. Alors, aujourd'hui, si on est à se poser la question quand est-ce cette CENI va quitter, c'est parce qu'on a commis l'erreur de dire bon, on va laisser la CENI qui est là, organiser les élections locales et puis après elle va partir. Mais on ne connaît même pas quelle est la date de ces élections locales. Bien. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un sou de prévu pour l'organisation des élections locales en 2017. Mm-hmm. Alors donc, c'est clair, si il y a la possibilité dans un pays où il n'y a pas d'emploi, vous en avez un et on vous dit, bon, si vous organisez les élections après l'organisation des élections, vous devez partir. Plus souvent, la conception politique des organisations, hein, de faire durer la situation. Voilà, c'est de faire durer la situation, parce qu'on dit souvent que lorsque vous avez un électricien qui est en charge d'une grande compagnie, hein, si l'électricien fait toute une année, il n'y a pas eu de panne d'électricité et tout, à la fin de l'année, au moment de voter le budget, on va dire mais on n'a pas besoin de l'électricien parce qu'on n'a pas de panne, il n'y a pas de problème. Alors, s'il y a toujours des problèmes, eh bien, on va dire, mais je crois que l'électricien qu'on a, il est incompétent. Donc, l'électricien va faire, ça c'est un comportement politique, il va dire, je vais juste créer des pannes que je peux réparer pour que, à la fin de l'année, chacun se rappelle que je suis là et que je mérite aussi un salaire. Yeah. Alors, c'est ce que la CENI est en train de faire. Alors, on peut bien se retrouver dans une situation où ça perdure encore jusqu'à la fin de l'année 2017 et qu'on n'organise pas les élections parce que simplement aujourd'hui le sort des membres de la CENI dépend de l'organisation des élections locales. Bien, d'ici là, voyons comment les choses vont se passer au sein de la CENI, notamment avec l'équipe de maître Salifou Kibé qui en est désormais le nouveau président. Ce que vous demandez avant tout, c'est de faire l'audit de la gestion de Bakary Fofana. Tout à fait. Ce qui serait bien pour lui et pour son remplaçant. On va finir l'émission avec ce sujet de catastrophe naturelle qui est arrivée en Sierra Leone. Vous avez sans doute eu les échos, notamment du bilan que ça a fait. Vous avez vu aussi la démarche d'Alpha Condé qui est allé non seulement en Sierra Leone, après qui a chuté au Burkina Faso où il a laissé 100 000 $ sur son passage au Burkina ou en Sierra Leone. Votre réaction d'abord à la catastrophe qui est arrivée Oui, en fait, il faut dire vraiment que ça nous a troublés, hein, ce qui est arrivé en Sierra Leone. Quand on sait qu'en Guinée aussi, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. C'est à peu près le même climat. Voilà. Et donc, c'est vraiment présenter les condoléances au peuple léonais et inviter à plus de responsabilités, encore une fois. Et la même chose du côté du Burkina Faso, où nous avons un acte terroriste, n'est-ce pas, qui a été posé. On n'est pas à l'abri du terrorisme aujourd'hui, parce que le danger dans notre pays, c'est qu'il faut voir le problème sous l'angle suivant. Aujourd'hui, dans notre pays, la Guinée, on a l'impression que c'est une terre abandonnée. Celui qui vient, il suffit qu'il ait un peu d'argent, il va dire, bon, moi je vais investir ça à Bekedou, ou bien, bon, je vais aller à Timbimadina. On dit, bon, il faut aller, pourvu que tu donnes un peu à ceux-là qui vont t'autoriser à y aller. Alors, même si c'est pour financer, par exemple, un acte criminel, alors, pourvu que tu aies l'argent à faire. Donc, quelque part, il y a une manière de gérer la République de Guinée aujourd'hui qui est très dangereuse. On ne perçoit pas cela, mais ce n'est pas parce qu'un partenaire a de l'argent et nous dit « je veux investir ceci » que nous devons nécessairement l'autoriser. C'est parce que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui n'offre pas des choses de structure fiable, n'est-ce pas, de gestion, de coordination, par exemple, de l'aide au développement. Donc, chacun vient avec de l'argent, le gère lui-même et l'investit parce qu'il n'y a pas un ordre de priorité. Ailleurs, lorsque un partenaire a de l'argent, n'est-ce pas, à aider, soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc., etc., déjà le gouvernement sait, dans le domaine de l'éducation, quelle est la priorité des priorités. Donc ça s'insère, n'est-ce pas, dans les priorités nationales. Yeah. Mais chez nous, il n'y a pas de priorité nationale. C'est pour cette raison, si vous avez de l'argent dans le domaine de l'éducation, choisissez d'aller investir ça un peu partout. Et cela fait que
Selon que celui avec qui le partenaire est en contact direct, la personne peut influencer, que ce soit dans sa région ou dans sa préfecture, ce qui fait qu'il y a des populations qui sont abandonnées par l'État, abandonnées par les partenaires au développement, et donc vivent leur vie comme s'ils n'appartiennent pas à une nation. Vous comprenez? Ça, c'est très très dangereux hein, pour notre pays, et donc voir que cette situation est en train de nous entourer, le terrorisme au Mali, le terrorisme au Burkina Faso, il faut qu'on en prenne conscience et que dans notre pays, n'est-ce pas, ceux qui sont aux commandes prennent le problème très au sérieux et travaillent à protéger la Guinée. Bien. Et pour terminer, un mot sur le défi de réussir, cette réconciliation des membres de l'opposition en une minute pour terminer face à la caméra. Ben, on n'entreprend pas les choses parce qu'on va échouer. Hein. Nous entreprenons parce que nous pensons que nous allons réussir. Pour réussir, nous avons commencé par dire guerre de terminologie. Non, on n'est pas dedans. Deuxième chose, il faut pour qu'on réussisse que chacun accepte la responsabilité, une partie de la responsabilité de ce qui s'est passé. Troisième chose, il faut qu'il y ait de la tolérance et il faut que chacun, n'est-ce pas, soit armé de volonté de mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est extrêmement important. Notre pays est abandonné, n'est-ce pas? On a à Conakry des ordures un peu partout qui tuent les Guinéens tous les jours. Allez dans les hôpitaux, vous allez vous en rendre compte, n'est-ce pas? Nos routes sont dans un état que vous connaissez. Les accidents prennent la vie de nos compatriotes tous les jours. Nos jeunes sont en train de mourir dans la Méditerranée. Tout cela, à mon avis, devrait être des raisons suffisantes de dire nous devons laisser de côté les rancœurs pour que nous puissions faire face à ce qui est le défi à relever pour nous amener à l'alternance en 2020. Merci, Dr Faye, d'être passé dans cette émission. À très bientôt pour la suite. Je vous remercie. Merci. Merci bien. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.